der Comic Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Bonjour, Floch. Bonjour. Adrien. Adrien. Es gibt ja mehrere Flochs in Frankreich. Flock. Nein. Ja, ich bin ein begeisterter Fan des Bandes Der Leuchtturm. Il a une femme du livre Le Phare. Mais c'est un autre flore. Mais c'est un autre flore. Oui, en France, on doit être trois à s'appeler Flock, oui. À faire de la bande dessinée, et en Belgique, un célèbre, un très célèbre. Drei Autoren mit dem Namen Flock in Frankreich und ja. Einen in Belgien, der sehr bekannt ist. Ja. Ich habe mich im Vorfeld vorbereitet, war, oh, Der Leuchtturm, kennst du? Und dann, nein, verkehrter Flock. Donc, il s'est préparé pour l'interview avec Le Phare, le livre Le Phare, et après il s'est rendu compte que c'était pas le bon auteur. Danach, Underground Station. Et après, Underground Station. Wieder. Encore une fois, encore une fois. Le bon auteur, et puis enfin. Donc, et il y a eu aussi Les Trois Petits Cochons. Die drei kleinen Schweinchen. Das dritte kleine Schweinchen und das jüngste. Le troisième petit cochon et le plus jeune. So, Schlucker ist sozusagen die Visitenkarte von Flock in das Comic-Business gewesen. Schlucker a été plus ou moins la carte de visite de Adrien Flock pour entrer dans le business de la BD. Enfin, c'est-à-dire c'est la première série. Oui, en fait, Schlucker est ma première série qui a marché commercialement. Schlucker ist seine erste Serie in Frankreich, die wirklich kommerziell erfolgreich war. Et qui m'a permis de commencer réellement ma carrière chez Soleil. Und der hat wirklich seine Karriere als französischer Autor bei Soleil gewinnen konnte. Von den Zeichnungen ist das ja schon genauso fantastisch wie Utak. Le dessin est déjà un monde fantastique, fantasy, comme un fantastique beau. Très beau, comme Utak, un fantastique. Merci. et ce n'est pas tout à fait le même univers. Schlucker n'est pas de la science-fiction, alors que Utak l'est. Schlucker ist nicht dasselbe Universum wie Utak. Das ist eher Science-Fiction. Ce n'est pas exactement de la science-fiction, ce serait plutôt une sorte de monde parallèle ou décalé, alors que Utak c'est beaucoup plus proche d'un space opéra. Schlucker ist eher Paralleluniversum, wohingegen Utak eine richtige space opera ist. Jetzt habe ich gehört, dass Flocks Wunsch war, mit genau diesem Szenaristen Arsten zusammenzuarbeiten. Il a appris que c'était vraiment, t'avais vraiment envie de travailler avec ces auteurs, c'est-à-dire Arleston, enfin c'était vraiment. C'est vrai? Oui, oui, vraiment, oui, oui. En fait, avant de travailler avec Arleston, je connaissais déjà ses productions et j'adorais déjà L'Enfeust et Les Forêts d'Opale. Und bevor er mit Arleston zusammengearbeitet hat, kannte er schon seine ganzen Produktionen wie L'Enfeust und die Opalwälder und war Fan von Arleston. Und wie kommt man dazu, nach der ersten Serie bei Soleil gleich solch einen Stellenwert zu haben, dass man sagen kann, ich mache gerne eine zweite Serie, aber dann am liebsten mit Arleston und das klappt dann auch. Comment ça se fait qu'avec une série seulement, tu as déjà eu une position d'auteur pour dire à l'éditeur, bon, maintenant j'ai envie de travailler avec un auteur connu comme Arleston. C'est pas tout à fait de cette façon que ça s'est passé. Avec Arleston, nous nous connaissions déjà et nous discutions éventuellement de travailler ensemble sur un projet pendant que je travaillais sur Utak. Mais on n'a pas travaillé tout de suite sur Utak. On a mis 3 ans peut-être avant de commencer Utak.
Also sie kannten sich schon vorher und hatten schon 3 Jahre lang mehr oder weniger darüber geredet, zusammen ein Projekt zu arbeiten und ce n'est pas dû spécialement à mon travail sur Sloka. Ariston connaissait mon travail puisque nous habitions dans la même ville. Ariston kannte seine Arbeiten, seine Zeichnungen, nicht nur Sloka, sondern auch andere Projekte, die er drumherum gemacht hatte, kleinere, die vielleicht nicht so bekannt waren, weil sie in derselben Stadt wohnten und sich daher kannten und also in Kontakt waren. Also gab es auch eine persönliche Bekanntschaft, Frank Becker getroffen? Oui, vous connaissiez, enfin c'était vraiment un contact personnel, oui, une amitié. Oui, on se connaissait parce que donc on habitait dans la même ville et je travaillais occasionnellement pour le magazine dont il est rédacteur en chef. Donc il voyait aussi mon travail, mes dessins, pendant que je travaillais sur Etac, même peut-être un peu avant, sur Sloka, excuse-moi. Il a vu mon évolution aussi. Comic Magazin gearbeitet, von dem Aliston Chefredakteur war. Und so ist es dann zustande gekommen. Ja, super. Bei Etac, das in Deutschland beim Spielberg Verlag herauskommt, ist man sehr, sehr glücklich, dass Floch so ein fleißiger Zeichner ist, dass man also sehr schnell die Kunden mit der nächsten Fortsetzung der Geschichte glücklich machen kann. Ist das so eine, sagen wir mal, Grundhaltung von Floch, dass das auch sein Ziel ist, möglichst schnell auch zu produzieren? Oder ist das einfach nur Gott gegeben, dass er halt wirklich toll schnell zeichnen kann? Ici en Allemagne et puis en France aussi, je suppose, on est très content que tu es un auteur qui travaille très vite, produit vraiment au moins un album par an. Est-ce que c'est vraiment un but pour toi? Est-ce que tu te dis, bon, bah, j'essaye vraiment de travailler de manière rapide à ce que... En fait, sur Etac, on a toujours travaillé de cette façon depuis le début. C'est-à-dire qu'on sait combien de tomes on va faire pour le cycle, c'est-à-dire 9. Et on est vraiment passionné par ce qu'on fait, autant Ariston que moi. Et je crois, un peu comme si on était aussi les lecteurs d'Etac, on a envie de voir la suite, de la voir vraiment exister. Parce qu'on en parle, et ça nous fait fantasmer, donc on a vraiment envie de le voir sur papier. Et donc on avance, je pense que c'est dû beaucoup à la passion, et puis aussi c'est encourageant de voir les lecteurs, l'engouement des lecteurs. Also bei Etac war es von vornherein klar, wie die Serie aussieht. Das heißt, es würde 9 Alben geben. Und es ist so, dass beide mit Leidenschaft dabei sind und selber neugierig sind, was weitergeht. Und von daher, außerdem ist es natürlich auch ermutigend, wenn sie sehen, wie gut die Serien ankommen bei den Lesern, aber es ist vor allem so, dass sie selber, wenn sie zusammen arbeiten, mit Leidenschaft dabei sind und völlig in diesem Universum aufgehen und dann einfach selber neugierig sind, wie es weitergeht und die Fortsetzung sehen möchten. Also und daher kommt es wohl so... Ich denke, die Begeisterung merkt man auch beim Lesen. Ja, quand on lit cette série, on sent votre passion pour l'histoire. Je crois que c'est dû à une spontanéité. Parce qu'on n'a pas le temps de trop chercher. Je ne dis pas qu'on n'a pas le temps de trop travailler, mais on n'a pas le temps de trop chercher à faire peut-être compliqué. Et ça donne peut-être quelque chose de plus spontané dans la
scénarisation mm-hmm. et dans, autant dans le dessin. Mm-hmm. De et plus direct et efficace dans le récit, je mm-hmm. crois. Ich denke, das hängt damit zusammen, weil sie eigentlich ziemlich spontan arbeiten. Sie gehen nicht irgendwelchen langen Recherchen nach, sondern das Szenario wie auch die Zeichnungen werden eigentlich relativ spontan erarbeitet. Und, wie ist das? Wohnen die beiden noch in der Nähe? Und ist dieser Austausch quasi noch? Hat eine neue Idee, geht mal schnell über die Straße, erzählt es alles dann und dann sitzen sie kurz beim Abendessen zusammen und haben auf einmal wieder 20 Seiten Szenario zusammen entwickelt. Non, pas du tout. C'est-à-dire que Arleston habite dans le sud de la France et moi, je suis parti vivre en Belgique. Mm-hmm. Nein, sie wohnen nicht mehr in derselben Stadt. Arleston wohnt jetzt im Süden von Frankreich und er ist auch in eine andere Stadt gezogen. Dann ist das durchs Internet. Ja, ja, lot of. Ja. E-Mail. Ja, ja. Ah, est-ce que vous scannez votre sketch et... Arleston écrit donc son scénario que j'adapte ensuite en dessin. Arleston schreibt das Szenario und er adaptiert es dann. Et je lui envoie ensuite la page une fois qu'elle est ancrée par internet. Mm-hmm. Et il peut arriver qu'il y ait des modifications à faire. Si quelque chose ne convient pas ou si nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur la même scène, par exemple. Er schickt ihm dann die getuschte Seite per Internet und danach kann es noch zu Modifikationen kommen, ouais. Wenn Alistair mit bestimmten Dingen nicht zufrieden ist. Aber il y a encore beaucoup d'échanges. Mm-hmm. C'est-à-dire, ce n'est pas juste, par exemple, Arleston n'écrit pas le scénario et après passe à autre chose. Il suit aussi beaucoup l'évolution graphique. Während er die Zeichnung anfertigt, gibt es noch viel Austausch zwischen Arleston und ihm. Also es ist nicht so, dass Arleston nur das Szenario mm-hmm. abgibt und er dann die Zeichnung macht, sondern sie tauschen sich halt ständig noch während der Arbeit und während des Zeichnens. Jetzt haben wir hier ein kleines schwarzes Buch dabei und ich glaube, das ist vielen Dank dafür, denn wir dürfen jetzt gleich einen kleinen Einblick in die Zukunft von Utak werfen. Ja, it's a c'est des recherches de personnages. Pour le tome 6, des personnages qui vont entrer dans l'histoire. Das sind Figurenentwürfe für den Band Itak 6. Voilà, le prochain. Den nächsten Band also. Darf ich? Ja, ja, ja. Merci. Das sieht ja alle schon so toll aus. Wenn wir den jetzt aus Versehen verschwinden lassen würden, bin ich mir sicher, wir hätten begeisterte Abnehmer unten auf dem Comic-Salon. Si on le fait disparaître, il y aura des gens qui l'achèteraient volontiers, peut-être. Tellement c'est beau. Mais pas maintenant. Und Dirk Schulz, ihr deutscher Verleger, hat gesagt, Sie sind ja sehr stolz auf diese Arbeiten. Warum? Oder was im Speziellen dabei? Dirk Schulz, l'éditeur allemand, il a dit que tu étais très, très fier. De ce tome 6, parce que c'est quelque chose de particulier. Beaucoup, parce que c'est vrai que le tome 6 est peut-être le premier tome pour lequel on va passer pas mal de temps. Le sechste Band von Itak ist wahrscheinlich der, in den Sie die meiste Zeit. Voilà. C'est un tome particulier, un tome de transition entre donc, ce qu'on a vu jusqu'au tome 5 et ce qu'il nous reste à voir jusqu'au tome 9. Et ce tome-là est très important au niveau de l'univers qui évolue et de tous les changements qui vont intervenir dans la série. C'est un épisode charnière. Der Band ist sehr wichtig, weil er einen Übergangsband darstellt von dem ersten Zyklus der fünf Bände zu der Geschichte, die bis zu neun Bänden noch folgt. Also, Ein
Meilenstein in der Geschichte von Utah. Weniger. Ja, können Sie vielleicht ein bisschen was zu erzählen, hier diese beiden? Est-ce que tu peux raconter un petit peu expliquer les personnages? Pour l'instant, c'est difficile parce que ils viennent juste d'intervenir dans l'histoire. Je n'ai pas terminé de dessiner. Mais en tous les cas, ce sont donc toute une troupe de personnages qui sont ensemble. Il y a aussi des créatures, mais sinon c'est un groupe de personnages que Granit et ses amis vont rencontrer. Das ist etwas schwierig zu erklären, weil das Figuren sind, also neue Figuren, die in die Geschichte eintreten und mit denen er gerade erst begonnen hat. Aber auf jeden Fall handelt es sich um eine Gruppe von Personen oder auch Wesen, die Granit auf Itak trifft. Et dans le scénario, ce sont des personnages qui vont leur qui en savent davantage sur les raisons pour lesquelles ils sont arrivés sur Itak. Et on apprend déjà à la fin du tome 5 les questions plus ou moins d'un jeu, d'un énorme jeu, et donc on en sait davantage dans le 6, par ces personnages. C'est une groupe de personnes qui savent pourquoi Granit et leurs amis sur le planète Itak gestrandet sind und ja, die stellen praktisch den Schlüssel, den Wissensschlüssel zu diesem Geheimnis dar. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen ein kleines schlechtes Gewissen. Ja, denn ich bin eine Wisconsinose. Weil sie arbeiten ja unglaublich schnell. Das heißt, mit unserem Interview verzögern wir ja die Fertigstellung des 6. Bandes ganz fürchterlich und wir hoffen, dass er bald dann den Band dann trotz unserer trotz seines Aufenthaltes in Erlangen, über den wir uns natürlich sehr freuen, bald fertigstellen kann. Et avec l'interview et puis ton séjour à Erlangen, on a fait retarder un petit peu le tome 6. Voilà. Oh. C'est un autre problème. Il n'est pas décalé. Pas problème. Aucun problème. Le tome 6 doit être terminé dans le courant du mois de juillet pour sortir en France en septembre. Mit dem Band 6 wird er voraussichtlich im Juli fertig und im September wird er dann in Frankreich erscheinen. Und dann wahrscheinlich sehr schnell wunderbar übersetzt. Natürlich. Also, ja, ist klar. Ja, vielen Dank für das Interview. Merci.